Voilà, vous m'avez pas lancé le défi, mais on va essayer de jouer avec l'ordi. Nouvelle partie. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le jeu? Oh, faut créer un personnage, sérieusement? Alors déjà, je suis un homme. Je suis plutôt clair. Mais ils sont sérieux d'avoir mis ça? Non mais c'est dégueulasse de faire ça. On va se mettre classique. On va se mettre classique. Au niveau de la tête. Alors, ceux qui me connaissent pas encore, je mets des heures et des heures à faire mon personnage. Je vous préviens que... là, c'est les sourcils. Les sourcils, on veut plutôt quelque chose de... Ah non. Mais non, moi, je veux des yeux, monsieur. On va tester ça. Cheveux. Alors déjà, cheveux, tu mets du rouge. Moi, je veux les cheveux rouges. Pourquoi ça fait un dégradé moche, là? C'est quoi ces coiffures dégueulasses? Vas-y, on va mettre ça. Non, non, celle-là, c'est bien. Ok, on va mettre ça. Genre, on retourne sur ça s'il n'y aurait pas genre un truc un peu plus stylé au niveau des yeux. J'aime bien ça avec le petit côté là. J'aime bien ça, regardez ça. Tenue. Alors, en tenue, je suis plutôt quelqu'un qui... Non, t'as les épaules carrées, frère. Le mec, c'est un iRobot, quoi. Il est carré de chez carré. On peut le foutre torse nu? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah franchement, il n'y a pas grand-chose qui me plaît en soi, mais ça, si on peut changer la couleur, ça peut être sympa. Là, on change la couleur de la chemise. Ok, vas-y, mets ça. Franchement... Ouais, mets une chemise classique. En vrai, mets-toi en classique. Ouais, fais ça. Hello, Ezchior. Hello. Tu peux monochromer. Monochromer. C'est ce que je viens de faire, non? Je sais pas. Tu joues avec un pote? Non, là pour l'instant je suis en solo. Normalement quelqu'un va me rejoindre plus tard dans l'aventure. Et là pour l'instant on est en solo, on découvre d'abord tranquillement. Et après on verra. On t'entend parler. Bonne chance alors, comme on dit. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi, comment tu vas? Et bienvenue sur Temtem, merci beaucoup. Bah ça va, bon mais si ça va, ça va alors. Et pourquoi ils veulent absolument... Je farm, je farm. Tu farmes sur Temtem du coup? T'es un joueur Temtem, je suppose. Par contre, je suis pas fan des couleurs. Yes, 230 heures de jeu. Ah ouais, donc si j'ai un problème, c'est à toi qu'il faut que je demande quoi. D'accord. Level up pour Mike, GG à toi, level up. Et je colorie que au crayon de couleur, j'arrive pas à les autres styles de peinture ou aquarelle. Pourtant, je trouve ça beau, mais quand je l'utilise, l'aquarelle, c'est une cata. Ouais, non mais faut juste apprendre. Moi, tu vois, j'ai commencé avec les cartes Pokémon, etc., à faire de la peinture. Et franchement, je m'en suis plutôt bien sorti à force. Hein. Merci Wisebot. Moi, tu me dis pas merci? Ok, merci Mike, c'est super gentil. Ah oui, je passe du stream en stream. Donc je connais presque tout par cœur. D'accord, ok. Bon, ben si t'es encore là quand j'aurai besoin d'aide, je te demanderai alors. En vrai, j'aime bien ce pantalon. Genre, si je mets ça... Ça fait chelou quand même, non? Je sais pas, c'est bizarre en fait. Je sais pas, ça fait assez bizarre, je trouve. Au niveau des chaussures... En fait, mes chaussures jaunes, genre mes Pokémon que j'ai moi-même dans la vraie vie. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Ça sera fact prof. Et garantie sans spoil. Ok, super, mais c'est super gentil, merci beaucoup. Bienvenue du coup, bienvenue chez nous et j'espère que tu vas te plaire. Trop bizarre le Falzar. Ouais, le... Au début je l'aimais bien et en fait il est chelou. Ça fait bizarre.
Est-ce qu'on se prend le gros sac à dos ou le petit sac à dos? Le gros sac à dos est pas mal. Hein. Valache. Monochrome, une seule couleur. Oui, ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai mis monochrome la chemise. Je pense que le gros sac à dos est pas mal. Et on va se le faire. Non, on se fait salle de Dora. On se fait le sac de Dora et ça, c'est la carte. On se fait le sac de Dora. Allez, on fait le sac de Dora, c'est parti. Mon nom, c'est Valash. Sans G, c'est mieux. Valash. Accepté. Il choisit le pronom adéquat. T'as vu maintenant dans tous les jeux, il te demande quel pronom tu veux qu'on utilise pour toi. C'est un truc de fou. J'aime bien celle-là. Elle est sympa. Accepté. Terminé. Ce nom de personnage est déjà utilisé? Je suis le seul en fait à m'appeler Valash. C'est une blague. Faut que je mette un 7 à la fin. Souvent c'est ce que je suis obligé de faire du coup. Les lettres ou les chiffres sont interdits. Ok. Et du coup si je mets Tintin du coup. Les majuscules sont autorisées qu'en début. Oh là là, mais il est pas relou ce jeu. Il commence déjà à me courir sur le haricot celui-là. Ok, c'est bon, ça marche. SSH, non, j'aime pas. J'aime pas comme ça, c'est moche. J'ai halluciné quand j'ai vu ton pseudo en mode découverte. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi ça? J'ai cru que c'était fake, sans mentir. Ah ouais? Non, pas du tout. En fait, ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais vu qu'Animal Crossing est sorti en même temps, j'ai préféré aller sur Animal Crossing. J'ai dit tant pis, on fera Temtem plus tard. Et du coup, voilà. Ah, parce que Valash... C'est le nom d'un Temtem. Oui, j'ai vu ça l'autre jour. J'étais sur un stream d'un mec français là. Et j'ai vu, ouais, Valash, apparemment, c'est le nom d'un Temtem. Valash Tintin. Tu dors encore? Allez, réveille-toi. Tu vois ce cochon? Alors. Eina, on va l'appeler. Eina. Bonjour, Valentin. Bonjour, j'ai fait un drôle de rêve. Tu ferais mieux de te dépêcher de te lever, tout le monde t'attend. Ah ouais, c'est ma mère ça? Parce que ça, si c'est ma mère, moi, elle me parle comme ça dès mon réveil. MDR, le début de Pokémon, c'est tellement ça. Une peluche Temtem le cochon. Ouais, je m'en doute. Tu ferais mieux de te dépêcher. Pourquoi? Ah, mais quelle marmotte! Ne me dis pas que tu as oublié quel jour nous sommes. Aujourd'hui, c'est... Oh! C'est le jour de mon éveil d'apprenti. Ah ouais, d'accord, okay. C'est le jour de mon premier Pokémon. Allez, c'est parti. Exactement, félicitations. Vous avez reçu un Tempedi. Qu'est-ce que c'est un Tempedi? Un Tempedi même, je dirais. Ah, attends, juste deux secondes, par contre, j'ai pas mis la caméra. Donc maintenant qu'on est dans le jeu, on peut mettre la caméra. Donc on va faire ça. Hop. Attention, vous allez avoir peur. Bim. Oh. On va la mettre là. Et pour l'instant on va laisser ça comme ça. On verra, du coup j'ai rien du tout préparé. C'était pas du tout prévu. Et voilà ton cadeau d'éveil d'apprenti. Oh, un Tempedi, j'en voulais trop une. J'ai même pas lu ce que c'était du coup. Te voilà devenu apprenti désormais. Tu vas bientôt devoir te rendre à l'Academia. Alors je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'une bonne Tempedi. Qu'est-ce que c'est? Tempedi, c'est genre une encyclopédie des Temtem? Tu sais comment ce machin fonctionne? Pas du tout. Oui, la Tempedi ressent tous les Temtem. Ouais, c'est ça, c'est... Ok. Que je capture et enregistre tout... Ok, nanana. Le professeur Constantinos... Oh là 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 là. Nous a montré comment nous en servir. Non, mais... C'est ton Pokédex. Ouais, en gros, c'est le Pokédex. En gros, c'est le Pokédex. C'est exactement ça, mes bel hommes. Oh. Et bienvenue, voilà. Tu en as une à toi. Bon, allez, remue-toi. Tout le monde t'attend. Alors déjà, j'ai du mal à lire, les gars, dans les jeux. Je sais pas pourquoi. Alors, si en plus, ils me sortent ça, ça va pas le faire. Alors, Z. Ok, S, ça fonctionne. Ah, ils l'ont mis à l'anglaise. Ils l'ont mis à l'anglaise. J'aime pas ça. Est-ce que je peux jouer à la manette? Bah, je peux jouer à la manette. Je vais jouer à la manette. Il y a du soleil dans ta chambre. Pourquoi la casquette? La casquette? Parce que j'ai trop de cheveux. Voilà, tout simplement. Le mieux, c'est de jouer à la manette. Ouais, je pense. Bon, en soi, il a pas l'air compliqué, donc c'est pas difficile non plus, mais... Tout le monde m'attend. C'est pas censé y avoir du monde qui m'attend, là. Je peux pas interagir. Genre, dans Pokémon, on peut interagir avec la télé. Est-ce qu'on peut interagir? Non, ça interagit pas. Premier pas, ok.
Le grand jour est arrivé, commencez votre périple. C'est parti. Tu peux changer les touches, faut changer de langue, c'est chelou. Ouais, je suppose, oui, qu'on peut changer les touches quand même. Ils sont tellement stylés, les trucs. Franchement, je suis content d'être là. Je suis content d'être avec vous. Nouvelle aventure? Change tes touches. Ouais, j'ai la flemme en fait. On peut jouer à la manette, donc je vais jouer à la manette. Relis. Tu peux pas. Ah, tu peux pas changer les touches, faut changer de langue, c'est relou. Relou, voilà, je suis pas chelou. C'est relou. Ah ouais, tu peux pas changer. D'accord. Ou alors, tu es obligé de changer de langue. D'accord, ok. Ah, d'accord. Joyeux éveil d'apprenti. Genre, j'ai l'impression d'être né en fait. Oh là là, mais tout Zadar est venu, ma parole. Tout Zadar, ça fait galard un peu. Félicitations, Valachintin. Nous sommes conscients que c'est une grande journée pour toi, mais tu vas quand même nous manquer. Laïa, nous sommes con. Ok, pour te donner un peu d'argent de poche. Ah d'accord, vous êtes tous cotisés, ok. C'est une grande chose, mais c'est offert de bon cœur. Oh, c'est adorable, merci beaucoup, mes chers voisins. Mais Valachintin, où est ton ami Max? Je sais pas. T'es pas obligé de lire, on sait lire. Mais si, je suis obligé de lire. On m'a appelé. Oh, salut Valache, c'est aussi mon éveil d'apprenti. Oh. Ah bon? Bonjour Max, nous t'attendons. Oh, en gros, ça c'est professeur Chen. Vous êtes prêts? Oui. Ah, le professeur Constantinos. Je vous en prie, prenez bien soin de Valache. Et les enfants poussent si vite en avant. Ne vous en faites pas, ma chère Anya. Je déposerai Valache Tintin et Max à l'Academia. Lis dans ta tête. Non, je lis pas dans ma tête. On peut y aller avec vous. Tu es encore un peu jeune pour venir à l'université avec moi, Max. Mais qui sait, un jour peut-être que si tu persévères, et toi, Valache, tu as des projets pour l'avenir. Moi, j'aime bien qu'il liste. Sinon, ça serait tout silencieux. Ouais, ça serait trop silencieux. Et puis, si je lis, le souci dans ma tête, c'est que ceux qui lisent pas vite vont pas comprendre. Donc voilà. N'est pas super doué avec les temtem, mais bon, ne t'en fais pas, Valache. Tu pourras toujours rester ici pour veiller sur Anya. Non, mais je te crotte, toi. Hé hey Max, Valache, venez avec moi. Nous allons passer récupérer deux ou trois choses dans mon labo. Fais attention à toi, Valache. Je t'adore, je t'aime. I love you. Allez, les enfants, on y va. Allez, c'est parti. Alors, navigation sur l'archi. Utilise pour ouvrir la carte. Ah, c'est bon, ça apparaît. Ok, donc là, il a une carte. D'accord. Ça a l'air hyper grand par contre. Hein. Ok. Rejoins le professeur Constantino dans son labo. Il est où son labo à lui? Ça me dit pas où je dois aller en plus. Ah si, là-bas. Je dois aller au bout. Ok. Faut que j'aille par où? C'est quelque part par là. Ah, ça doit être ça, je pense. Mais arrête de bouger. Labo du professeur. Ouais, c'est ça. Labo du professeur. Alors. Oh, ils sont trop beaux. Eh, Valache, viens voir par ici. Ah non, non, moi je vais voir par là. Oh, ils sont magnifiques. Très bien, les enfants. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui votre éveil d'apprenti. Ce qui signifie que vous connaissez déjà toutes les bases théoriques concernant les temtem. Pas du tout. Alors là, hésite pas sur les questions. Ah ouais, à ce point-là. Vous voilà prêt à obtenir la garde de votre premier temtem. Vous voyez ces cylindres de verre? Oui. Chacun d'entre eux contient un temtem. Ok. Eh, monsieur, vous avez des quoi? Des nuages numériques? Qu'est-ce que c'est, ça? Les temtem nuages numériques sont une créature très récente, mon jeune ami. Il est très rare de parvenir à en trouver. Ah, moi, j'en ai un. Non, mais je rêve. D'où le sors-tu? Bon, ce n'est pas grave, Valache. Avec les temtem, qu'ils soient humbles ou raffinés, c'est surtout le dresseur qui fait la différence. Et puis Max a déjà son temtem. Il est temps de t'en trouver un. Vas-y, choisis celui que tu veux. Pourquoi Valache a le droit de choisir et pas moi? Chut, s'il te plaît. Allez, Valache, trouve-en un qui te convient. Prends le temps, le premier temtem. Ok. Sont viables. Alors, comment ça, viable? Alors, lui, je trouve qu'il est stylé. Mais je suis pas fan. Ça, ça fait un peu trop lion. Ah, attends, on va lire. Voici Ushik. Un temtem. J'adore parce que. Un temtem métal. Ok. Il est fort contre le type neutre.
Et Poulga, ok, contre le type combat quoi. Mais faible contre le type cristal. Je l'ai ramené de mon alm. Ok, facturé, ok, ça on s'en fout. Es-tu sûr? Non, 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 je veux voir les autres d'abord. C'est un singe. C'est un singe ça? Ah non, ça c'est un singe. C'est un lion ça. C'est un singe ce truc? Ah ouais, c'est un singe. Unich, il est pas. Unich, il est pas mal, ouais. Unich est pas mal. T'as pas à lire nuage, c'est le type. Ouais, je viens de comprendre à l'instant. Ce Smazy, ouais, est un Temtem combat. Ok. Il est fort contre le type terre et le type cristal, mais faible contre le type métal. Ok. Ok. Es-tu sûr? Non. Donc là, on a le type psy, le type combat et là, le type cristal. C'est une petite tortue, quoi. Cristal est un. Crystal. Est un Temtem cristal. Il est fort contre le type électrique et métal, mais faible contre le type feu et le type terre. J'ai attrapé celui-ci. Non, il a trop de faiblesse. Il a trop de faiblesse. Non! Non, je voulais pas faire ça! Non! Non, mais non! Pourquoi je fais toujours des bêtises? Je voulais pas faire ça! Petite info sans spoil, la difficulté va croissante de gauche à droite. D'accord. Ah bah tu peux reset ton perso. Bah j'ai plus qu'à faire ça, oui. Non mais je veux partir. Comment on fait? Paramètres, quitter. Non, comment je fais? Carte. Comment je fais pour partir? Comment je fais pour Ouais, c'est pas grave. Faut que je quitte le jeu pour Je pense qu'il faut que je quitte le jeu. Ah, ça me saoule. Ah non, échappe. Ah merde. J'ai quitté le jeu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut jouer à plusieurs. Oui, on peut jouer à plusieurs. C'est pour ça que j'avais demandé à Bouddha et toi aussi Gaëtan, je t'avais demandé de venir. Mais ouais, on peut jouer à plusieurs, ouais. En fait, c'est un MMO, c'est un Pokémon MMO en fait. J'ai pas le jeu. Bah, tu peux l'acheter, il est à 24 euros sur Instant Gaming si je dis pas de bêtises. Configuration, jeu, réinitialiser le personnage. Ok, merci. Attends. Configuration, jeu, réinitialiser le personnage. Accepter. Cette option n'est disponible qu'une fois connecté au jeu. Ah ok, faut que je me connecte. D'accord. Retour, donc continuer. Faut que j'aille dans configuration. Alors. Échappe. Configuration. Et après, c'est un MMO, donc il y aura peut-être d'autres manières de faire du multi. Ouais. Pour l'instant, ça se limite à peu près. Ok, d'accord. Du coup, je réinitialise le personnage. Cette option n'est disponible qu'une fois connecté au jeu. Et après avoir reçu un second Temtem. Ah, faut que j'ai un second Temtem. Ah, je peux pas encore réinitialiser mon truc. Ah, oh, dommage. Je sais qu'il y aura des clans de guerre et des. Ouais, j'ai vu ça aussi qu'il y aurait avoir des clans, etc. Va y avoir des nouveaux trucs quoi, qui vont pas tarder à arriver. J'ai vu ça. Le petit chouchou du prof, tu te crois meilleur que moi, pas vrai? Mais non, mais moi je veux réinitialiser. 24,80 le jeu. Tu vois, il est pas si cher que ça, hein. Il est beau en plus, hein. Franchement, il est super beau. Ok. Donc ça c'est les puissants je suppose. C'est quoi? Ah on a du mana aussi. Ah ouais d'accord ok. Genre détail. Stat 5, dommage 32. Ok dommage 37, stat 7. Ok donc ça va utiliser 7 de mana. Ok. Ah ouais bien falloir réfléchir sur tous les trucs et tout. C'est quoi ça?
Mon beau miroir dit que tu es le plus beau Temtem de tous les uns. D'accord, ok. Stamina en endurance. END. Et je lui fais pas mal en soi, lui il me défonce la tronche. Hein. Ils ont pas traduit partout. Ouais, mais ça va, je comprends. Une première victoire, hurra. C'est fait exprès qu'on perde. Oh non, mais je lis même pas là. Je veux mon deuxième Temtem. Vous avez un nouveau Temtem. Ok. Génial. Youpi. Non mais je lirai après. Je veux tout. T'es nul, c'est tout. Ouais, genre. Mais arrête de me donner des trucs là, je veux réinitialiser mon personnage, wesh. Configuration. Réinitialiser le personnage. Oui. Oui. Ouais, il est nul. Eh, viens jouer Gaëtan, viens. Viens mon petit, viens. Pourquoi ça marche pas? Nouvelle partie. Alors on est reparti du coup. On recommence. Alors non, on avait mis celle-là. On avait mis ça. On avait mis ça. On avait mis ensuite ça. On avait mis... Ouais, c'était ça. Ok. Ah par contre, j'avais pas mis mes yeux à moi. Genre moi, j'ai les yeux marrons en fait. Voilà. Au niveau des cheveux, on avait dit qu'on mettait celle-là. Avec du coup ça et ça. Nickel. On a dit qu'on mettait du coup... Ah oui, la chemise à fleurs. Ça. Avec ça et ça. J'attends de voir ce que ça donne sur ton live. Ok. C'est reparti pour l'essayage. C'est abusé. On avait mis le pantalon comme ça. On l'avait mis en bleu. Et les chaussures, on les avait mis en jaune. Le sac, on avait mis Dora. Non, on avait mis celui-là. Non, celui-là. Ouais, comme ça, exactement. Non, Valage Tintin, il voit de terminer. Oui, allez, on sait, on a vu ça tout à l'heure, on va pas se... Je suis pas trop objectif, mais si tu hésites, je te conseille le jeu. Ah, toi, tu dois jouer depuis un petit moment, je pense. Toi, bah oui, tu m'as dit que t'étais à plus de... Je sais plus combien d'heures, là. Alors, je veux juste faire un truc. Ça va un peu vous bouger la chose, mais c'est pas grave. Juste 2 secondes. On va faire ça. Je veux ça, ça. Ça. On va sur ça. Coller, voilà. Et ça, tu me l'enlèves. Ah, le jeu revient. J'ai cassé. J'ai tout cassé. Oh. Pourquoi ça bouge le jeu? Mais ça m'énerve. Voilà, merci. On va se mettre là pour l'instant et je verrai au fur et à mesure du jeu. Tu as fait la mise à jour de Warzone Val... Non, je l'ai pas fait. OBS, Streamlabs. Streamlabs, ouais. Félicitations, Valash, nanana. Ok, on sait. Bisous. Il y a l'autre trou du cul qui débarque. Ouais, mais j'ai oublié de la faire cette nuit. Franchement, j'hésite entre le petit singe et lui. Parce que lui, il est trop mignon. Mais lui, il est trop mignon aussi. J'hésite vraiment. Prends le singe. Si tu joues Gaëtan, tu vas prendre lui, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain que tu prends lui, toi. Je vais prendre le singe, du coup.
Smizey, ouais, je m'en doutais. C'est vraiment ton style. Je suis bien sûr de vouloir ce Temtem. Cette fois, oui. Excellent choix, Valash. D'un nouveau Smizey. On peut pas lui changer son nom. Très agacé. Renommé. On va l'appeler Choupi. Je sais pas, j'ai envie. Avec un Y. Voilà. Sûr de ton choix? Ouais, je suis sûr de mon choix. Mais attention, tu peux plus changer après. Ouais, ça c'est pas grave ça. Agacé, le trait agacé, ça donne des détails. Fais voir. Acte 3, plus d'attaque si un état est appliqué au Temtem. Ok, d'accord. C'est pas mal. C'est bien, je trouve. Équipé. Bon, il est temps d'y aller, les enfants. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ouvrez le menu d'application en appuyant sur OK et sélectionnez équipe pour examiner votre Temtem. Chaque Temtem est représenté avec sa santé, son endurance et son expérience. Ok, d'ac. Vous avez reçu une nouvelle notification. Ok, là on a rien, ça c'est pour ça. Ça c'est pour les émotes. D'accord. Et ça du coup, ça m'affiche pas mes Temtem. Pourquoi ça marche pas? Équipe. Ah, faut que je fasse ça. D'accord, ok. Choupi. J'aime bien, il est mignon. Il est mignon. T'avais pris qui, toi, du coup, Ez? Ez Shior. T'avais pris qui? Valash, le petit chouchou du prof, tu te crois meilleur que moi? Je te donnerai les raccourcis de combat en temps voulu. Et tu te la pètes avec ton petit Temtem tout neuf, pas vrai? Eh bien, montre-moi un peu ce que tu sais faire avec. Ouais, mais toi, t'as un truc rare aussi. C'est n'importe quoi. Moi, j'avais pris Uchik, le métal. D'accord, ok. Max. Par contre, il est super beau comme jeu. Ça, on dirait le robot dans... Merde, comment il s'appelle, là avec le renard, là. Azekior, pour les prononciations. Ouais, c'est ça. J'avais un doute. Val, mets ta fenêtre plus haut, à mon avis. Ma fenêtre de quoi? La fenêtre du jeu? Il est pas bien cadré le jeu en fait là. Il est où? Attends, je peux peut-être rétrécir un petit peu pour que ça passe bien. Si je rétrécis un ch'touille, fais voir. Comme ça, vous avez tout le jeu comme ça. Là c'est bon. Après ça, Valentin, ok. Rachète les plantes. Oui, exactement, mes bel homme, exactement. Tu as gagné, Max. Ce Temtem numérique, t'as clairement octroyé l'avantage. Ouais, j'adorais ce jeu. J'ai kiffé ce jeu. C'est surtout le dresseur qui fait la différence. N'est-ce pas, vous avez... Ouais. Félicitations, Max. Ne prends pas trop à cœur cette première défaite, Valash. Tu n'avais aucune chance face à Auré ou Auré de Max. Le Temtem numérique sont une innovation rare et puissante. Laisse-moi jeter un coup d'œil à ton Choupi. Il aura bien besoin de quelques pansements et d'un peu de baume. Là, voilà, en pleine forme. Sur PS2, si je me trompe pas. Il y avait PS2, ils l'ont mis sur PS3. Et je crois qu'ils l'ont refait sur PS4 aussi, si je me trompe pas. Histoire d'égaliser un peu les chances, j'ai quelque chose pour toi. Lui, on va l'appeler Zazu. Vous avez un nouveau Temtem. Renommé. Lui c'est Zazu lui. Zazu. Alors c'est quoi du coup? Exhaustif c'est quoi? Augmente de 25% les dégâts infligés avec les techniques multi-cibles. Ok. On a l'air de rien mais c'est l'un des Temtem les plus rares. Zazu le oiseau? Non, Zazu dans le Roi Lion. C'est Zazu le roi lion. L'air de rien, c'est l'un des Temtem les plus rares qu'il m'ait été donné de croiser. Pendant, eh bien, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il est bien plus grand potentiel. Ok. Quoi? Et moi, j'ai pas le droit d'en avoir un comme ça? Tu as déjà ton Temtem numérique, Max. Trop pas juste. Wesh, t'en as un numérique hyper rare. Mes recherches laissent à penser que Tuwei pourrait être en mesure d'interagir avec certains lieux de pouvoir. Mais je n'ai encore découvert aucun sur cette île. C'est pourquoi je dois retrouver... Ok, d'accord.
Bonjour, bonjour, salut Adria, comment tu vas? Bienvenue. J'ai un dirigeable à prendre, mais je devrais pouvoir vous accompagner jusqu'à l'académie. Ah, on n'a pas besoin de babysitter. Eh bien, soit, vous devriez pouvoir vous débrouiller seul. Je vais partir devant et vous attendre à Brissal-de-Mer. De Mar, pardon. Mais attention, vous allez croiser de nombreux Temtem en chemin, alors il serait d'âge de vous munir de quelques thèmes cartes. Servez-vous-en pour capturer les thèmes sauvages. Oh, génial! Bien, et toi, ça va super, merci beaucoup. On essaye le nouveau jeu du coup, Temtem. Je sais pas si tu connais, je sais pas si tu as déjà joué. Vous avez reçu 8 Temtem cartes. Ok, donc on a 8 trucs pour capturer les Pokémon. Un appareil en forme de carte utilisé pour capturer et transporter un Temtem. Et vu qu'ils ne te laisseront certainement pas attraper sans combattre, prenez aussi ces baumes. Ok, merci. Vous avez reçu 8 embos. Bon, allez, bonne chance. Ok, c'est parti. On peut sortir. Oh, on a le Temtem qui nous suit. Oh, alors ça, c'est un truc que je kiffe. C'est un truc que je kiffe tellement quand on a le truc qui nous suit. C'est quoi dans l'eau? On peut aller dans l'eau? Ah, oh, c'est stylé. C'est quoi ce Temtem? Il est trop beau. Oh là là, je suis en mode découverte. Allez, je vous préviens, tout va être beau. Hein. Oh, regarde-moi ce gros machin là. Pourquoi je peux pas avancer? L'écho de Paradon est dangereuse. Pense à utiliser un baume si tu as des ennuis. Ce ne sera pas. Ok, merci. La route vers Brical de Mer. Brissal de Mar. On y va. Je veux un Temtem. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop chou! Choupi et Zazou. Il est trop mignon. Du coup, coup de pied. Et Zazou, tu vas faire ça, je pense que ça suffira. Pizza terminée. Oh, il mange encore une pizza, mes bel homme. Utilise regard noir. Il baisse ma défense. Ok. Est-ce qu'on le capture? Allez, on le capture. Comment on fait pour le capturer? Dans les objets, thème carte. Et je fais comment? Ça va marcher? J'ai utilisé. Et oui, encore. Ça fait que parler de bouffe sur ce live. J'avoue qu'on parle souvent de bouffe. Comment je fais? Thème carte, ça suffit. Tu peux faire deux fois. Ah. D'accord, tu peux faire deux fois pour multiplier tes chances. Ok. RT plus A pour ouvrir ton inventaire. Ok, merci. Ça parle toujours Boubou quand je suis dans le coin. Wow, bien. Du coup, il est amical. Amical immunise le Temtem contre les techniques offensives de son allié. Ok. Voilà, on va renommer. On va l'appeler Piu Piu. Piu piu. Bon, on va l'équiper, hein, tant qu'à faire. Bonne stat, donc un max. Comment ça? Il pourra même servir pour bride. Ah ouais? Il a des bonnes stats, j'ai pas fait gaffe. Je suis pas dans ça encore. Je suis pas en mode on regarde les stats pour l'instant. Fais voir du coup les stats. Équipe. Ces stats sont bien, comment tu sais? PV 18, 20, 12, 11. SV. Ouais, c'est SV. Et ils sont bien ces SV? 36, 39, 48, 50. C'est des bons SV, ça, c'est ça? D'accord. Si tu le dis. Pourquoi tu le renommes comme moi, wesh? Pourquoi comme toi? T'es pas un piou-piou, toi? T'es un humain. Oh, regarde, il l'a, lui. Là, ton Temtem. Ah, c'est un combat, ça, c'est ça? Ah oui. Il a pas beaucoup de vie et d'attaque, c'est spécial. Affronte-nous. Oh, il a un petit cochon. Mais le reste, c'est cool.
Tu as pris le jeu qu'il pique? Non, il attend, il va le prendre là, après. Alors attends, parce que du coup... non, reprendre. Moi, c'est des Temtem... Ah, oh, ça me dit pas du coup ce que c'est. Oh... Bah écoute, picoti picota, lève la queue et puis s'en va. Hein. Alors moi j'ai un combat et lui ça doit être un vol, mon Zazu, je pense. Et les deux autres en face doivent être type vol, je pense. Olivier m'appelle comme ça. Et tous mes potes de LR aussi. Ah bon? D'accord. En fait tu le sauras. Quand tu auras cap. Ah. Frappe matérielle sur lui. Et je pense que là tu fais aérolam sur lui, ça devrait le faire. Regard noir. Oh la peluche, ouais y'a la peluche. La peluche de mon lit. Il gagne 59 d'XP. Vous avez gagné 43 étoiles, je sais pas ce que c'est. Tu m'as vaincu, que la Silaro m'emporte. Tu es plutôt doué pour un gamin Valache. Merci. Par contre il faudrait qu'on se fasse... il est où mon sac à dos? Boum. Voilà, exactement. Alors, ensuite, je voulais aller là. On peut pas passer par là? Non, ici on peut pas passer. Il a l'air bien, je... Ouais, franchement, il a l'air super bien. Bon, en fait, si t'aimes Pokémon, tu peux fortement aimer ce style de jeu. Ah, c'est le même. Est-ce qu'il y en a d'autres ici ou pas? Choupi et Zazu. Alors, du coup, Zazu, si je dis pas de bêtises, tout le monde là, en fait. Attends, on en fait plutôt Picotti. Salut Esteban, comment tu vas? Il baisse ma défense. Ok. Je confirme. Ouais, Zazu là du coup, tout le monde là. J'adore Pokémon, et ben voilà. Après, faut aimer le style un peu MMO. Ça change un peu de Pokémon, mais c'est franchement, j'aime bien pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Bonjour Teban. Teban c'est le fils de Mika. Qui était là, je sais pas s'il est encore là. Un combat double. Il y a pas mal de différences avec Pokémon. Ouais, je vois quand même. N'embête pas les étudiants. Ah bon? Normalement la difficulté qui est bien supérieure. Notamment, ah bon la difficulté est pire? Bah pour l'instant je trouve pas. Pas salut MDR alors. Non mais je rêve. Ah, un dresseur accompagné d'un ami. Ouais. It's me Mario. C'est parti. Oh ils sont trop choux. Oh c'est... Alors je suis mitigé entre c'est bizarre et c'est mignon. C'est c'est un pseudo qui pousse au ban. T'es ban. T'es bête bébé l'homme. Tu verras ne t'en fais pas. Ok. Alors, hop, ils sont type quoi du coup? Mais je sais pas du coup quel type ils sont en fait. J'irais par rapport aux couleurs qui sont type cristal. Mais ça se trouve pas du tout tu vois. Ils sont moches wesh. Non ils ont, on dirait des peluches. Ok ils sont faibles contre le type vent. Bon, c'est les Spindad Pokémon en fait. C'est exactement ça, c'est les Spindad Pokémon. Des petits cochons d'Inde. Ouais, c'est ça. Ils sont mignons, je trouve, même si la couleur est pas top. Ouais, mais ça change, tu vois. C'est. Oh, il fait hurlement strident. Il a appris une nouvelle attaque. Génial. Hurlement strident, ça fait quoi? Priorité 2, priorité 3 de plus. Ok.
Ah mais regarde toutes les attaques. Faut que j'apprenne les symboles de chaque attaque parce que là ça va être compliqué sinon. Attaque de type normal. Ça tape les deux adversaires. D'accord. Oh le pauvre, il est mouru. Il est mouru. Ne retiens pas tes coups, mets le paquet. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Et ça sert à quoi les 45 Ah c'est les sous. Tu vas sûrement devenir un grand dresseur. Merci. Ça doit être les sous du coup. Ça c'est encore un dresseur ça? C'est qui ça? Oula attends. Ne m'attaque pas, je suis pas un dresseur. Je ne fais que m'entraîner ici. T'entraînes quoi? Je fais de free running, c'est génial. Pour garder la forme. Non. Ok. Je préfère fournir moi-même l'effort. Ok. Ça m'a l'air intéressant. D'accord. Y a pas d'autres Temtem dans ce monde? Oh, c'est une découverte, hein, donc c'est un peu long. Hein. Et le symbole à côté te dit si c'est une attaque physique ou une attaque spéciale. Oh, il est trop beau! D'accord, ok, merci, Ezekior. Je veux pas le tuer. Ok. Ok. Oh, il change de couleur! Oh qu'il est beau, il est trop beau. Beau? Bah ouais il est trop kiki. Un kaku. Kaku? Franchement kaku ça te va bien. Équipé. Franchement kaku ça lui va bien je trouve. Ah bah il y a déjà un autre Pokémon. Temtem pardon. Ah bah kaku du coup et le petit oiseau. Il est pas top, tu peux le relâcher, je veux dire, par rapport à ses stats. Ok. Tous les Temtem sont bien. Ouais, bah comme les Pokémon en soi, ils sont tous bien si tu arrives bien à... Bon, je suppose qu'il faut que je tue d'abord celui-là. Attends, je veux voir ce que ça fait le rond rouge. Lui, il se protège, il augmente sa défense. Aérolame. Ok. Ah, ok, il résiste un demi. Ok. Tu verras peut-être pas un Smogon compétitif. Ah ouais mais je me comprends. Ou un Ratatak. Oui non mais c'est sûr. Ah il change de couleur. Non on va essayer de l'attraper. Et tu m'as dit que les stats de l'autre sont pas ouf. Ok. Donc c'est SVS, c'est ça qu'il faut regarder. Bah il est pas ouf non plus du coup. Et du coup c'est un type nature, donc type plante. Donc il est pas ouf là, on est d'accord. Pas ouf non plus, relâche. Oh non! Zazu il est mort. Ah je suis dégoûté, Zazu il est mort. Attends, on peut pas sortir de là là? Attends. Fais pas de bêtises, j'ai mon Zazu qui est décédé. Adieu Zazu. Oh non, Zazu il revient. Oh, on peut pas le soigner. Lui il faut le relâcher du coup on a dit. Équipe. Non pas toi, lui. On peut le relâcher tout de suite là? Déplacer. Non c'est pas ça. Faudra un PC. Ah pour le relâcher faut un PC, ok d'accord. Faut qu'on passe par là du coup. Qu'on descende par là. C'est tellement beau, il est beau je trouve. Il est très beau. Il est très très beau comme jeu. Salut tu essaies d'attraper des Temtem sauvages hein? Tu sais ce qu'on dit, l'important ce n'est pas combien tu en attrapes, c'est ce que tu en fais.
Un petit combat? Ne vois-tu pas que je suis en train de me promener tranquillement? Ah bon? Pardon. Excusez-moi, madame. RIP Zazu. Ouais, RIP Zazu. Zazu, il est mort. Ah! Ils sont choupis! Le mec, il va faire. Ah! Ils sont trop beaux à tous les Temtem. Tous les Temtem, moi je vous le dis. Non, fais regard noir. Baisse sa défense. Est-ce qu'on attrape celui de droite ou celui de gauche? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi le chat. Droite ou gauche? Les deux. Ah bon? Tu peux attraper les deux? Pour pouvoir comparer les stats. Mais on peut attraper les deux, sérieusement? Oui. Ah d'accord. Baisse mon attaque. Bah attrapons les deux alors. Ok, là on l'a eu. SSV, il est nul. Relâché. Je crois qu'en fait il était pas nul. J'ai pas bien regardé. Enfin, j'ai pas regardé la bonne colonne, c'est pas grave. C'est pas grave. 50, 35 et 44. Il était pas ouf. Lui il est très bien. Ah bon? Moi je trouve qu'il est pas ouf. Au moins pour le breed. Parce qu'il a une stat à 50, c'est ça? Les stats sont maximum 50. C'est pour ça. Je vous abandonne, bonne fin de live. Les petites boules d'amour. Merci à toi d'avoir été là du coup mes bel hommes. Et du coup à demain, si t'es encore là de, si tu reviens demain, à demain. Et merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup. Et encore merci pour les 15 bits que t'as envoyé. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bon après-midi à toi, bon appétit si tu manges ta pizza. Et à très vite, ciao mes bel hommes. Ça sert toujours les Temtem stat 50. Ok. Après je suis pas au bride encore donc au pire des cas je rattraperai à ce moment là tu vois. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah ouais la meuf je suis même pas passé. Ah ils sont deux d'accord ok. Moi c'est Sarah, salut Sarah. En endgame mais quand même. Et moi c'est Lara. Ensemble nous sommes les mortelles jumelles. C'est bien ça Lara. Moi c'est Sarah, c'est ce que je dis. Non tu, enfin je. Bref Sarah, Lara. Sarah? Qui ça, moi? C'est moi qui l'ai regardé. Pourquoi toi? Je voudrais vaincre toutes les deux de toute façon. Allez, c'est parti. Oh, elle a un truc. Elle est mignon. Ah, j'adore, elle est trop chou. Ah, du coup, ça doit être un type... vent, je suppose. Je connais pas réellement les types pour l'instant. Toi, on va faire ça sur toi. Et toi, on va faire picoto pour voir du coup ce que ça donne. Ok. De quoi, le petit truc bleu? À quel animal? Y a pas d'animaux qui ressemblent à ça. Hein. Est-ce qu'il y a un animal qui ressemble à ce truc? J'y vais moi aussi à tout à l'heure peut-être. Ok, à tout à l'heure vous allez sur le live de Colorimi, pas de soucis. Mais des bisous à vous tous et puis merci d'être passé, ça fait super plaisir. A très vite j'espère. Ciao. Oui, le narval. Ah bon? Le narval, d'accord. Alors on voit le cochon.
Ah, ils en ont deux chacun, d'accord, ok. Oh, trop stylé le canard! Ah, ouais, franchement, le canard est trop stylé. Faut que je regarde quand même mon mana, mon énergie. Par contre, j'aime bien les bruits à chaque fois qu'on clique sur un truc. Je trouve ça stylé, j'aime bien. Oh, ça fait mal. Il est type combat lui. Hein. Ça avait marqué quoi? Je sais pas. Alors lui il a été copié sur Canard Kisho, hein, très clairement. Hypnose, ok, hypnose, une manipulation cérébrale développée par les spécialistes de l'esprit. Ok, inflige, ok, endormi pendant 2 tours. Ok, donc en gros ça l'endort, hypnose ça endort. D'accord. Couvre-moi Sarah, j'assure tes arrières là, attends, t'es qui déjà? 63 pièces on a gagné. C'est pas vrai, comment tu as fait? Il nous faut une nouvelle stratégie là, Sarah. C'est même, ça veut même pas comment elle s'appelle elle-même. C'est n'importe quoi. Ben eux je les soigne pas du coup, lui il est pas ouf. Lui t'as dit qu'il était bien. Le mec il est torse nu, je vais me faire ban pour des trucs moi tu vas voir. Allez c'est parti, on retourne sur un combat. Salut Ali Chamois, comment tu vas? Bienvenue, comment vas-tu? Oh c'est quoi ça? Oh, non, par contre c'est pas beau. Kalazou, ça s'appelle. Mais dégueulasse ton truc. Valache ça va? Salut MLZ, comment tu vas MLZ? Tranquille, c'est quoi comme jeu? C'est Temtem, ça s'appelle. C'est un jeu sur ordinateur, sur Steam. C'est en fait, hein, ça a été repris par rapport à Pokémon, mais en MMO. Voilà. En monde ouvert, un peu entre parenthèses. On va faire hypnose, genre sur lui, je veux tester. Et là, du coup, c'est mon premier jour, je suis en train de découvrir le jeu un peu. Si tu veux plus d'informations, tu as notre Ezekior qui est le maître du jeu. On va appeler ça comme ça. D-Viewer, ouais, D-Viewer. Par contre on commence à être chaud au niveau de la vie. Et au niveau du mana aussi. Ok. Il est multijoueur normalement ouais il est multijoueur si je dis pas de bêtises. Frappe queue. Alors, observez les pattes de l'adversaire pour tenter d'anticiper ses mouvements. Ne suffit pas toujours. Ah ça marche pas à chaque fois, d'accord ok. 50 de dommages et 5 de stats. Enfin 5 de trucs. C'est un MMO ouais. Ouais c'est ça, MMO c'est en multi. Allez on y croit, lance-moi un baume. Utilise les tiens. Coop à 2 et après tout le monde peut échanger, se rejoindre, etc. On a failli y arriver. Ouais mais t'as perdu. On était pas très loin d'y arriver. Ouais mais t'as perdu. Par contre j'aimerais bien un ordi. Ah c'est un ordi ça non? C'est quoi la différence? Ah ben c'est là du coup où je change. Ou toi tu dégages du coup. Relâcher. Ah non j'ai relâché le mauvais, c'est lui qu'il fallait relâcher. Bon c'est pas grave.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et ça sert à quoi? Et ça soigne, ok. Ça c'est pour soigner et du coup à côté ça doit être la boutique. Ok, alors. Eh hey, mais c'est Valash que voilà. Je ne t'ai jamais vu. D'accord. On veut acheter. MDR boulet, ouais je suis un boulet, mais attends on a l'habitude avec moi. Alors ça, ça sert à quoi? Une eau de thème. De légères notes de lavande sur une base d'eau chaude. Curieusement les temtem n'ont pas l'air de l'apprécier. Réduit la chance de rencontrer de temtem. Ah ok, c'est pour les temtem sauvages. Temtem carte de capture et le baume. Alors on en a combien? On en a 3. On va s'en racheter Ah ok, ça c'est pour le maximum minimum. On va s'en racheter 5. On a combien de sous? Ça va, on en a pas mal de sous. Et baume, on va en racheter une. Ah, les baumes, ça coûte cher. Les baumes, ça coûte super cher. J'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai relâché le truc avec les 52 stats, comme un idiot. Eh, il en a deux qui le suivent, lui. Ah non, il y en a qu'un, j'ai rien dit, pardon. Oh, et si je fais ça, du coup? Attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. LOL. C'est pas la même difficulté que Pokémon, c'est clair. Déjà, au niveau de l'argent, ouais, c'est pas du tout la même difficulté. Ouais, mais du coup, je l'ai lâché, machin. Et Zazu est de retour. Ok. Alors, on continue. Continuons. Là, il y a un combat, je suppose. Ok. Tu peux les soigner? Ouais, tu peux les soigner. Je les ai soignés, là. C'est quoi ça? On dirait un mélange d'un écureuil et d'un renard. Oh. C'est très bizarre ça. Du coup avec sa couleur je dirais que c'est une sorte de type combat ou alors un type normal. Zazu le retour? Ouais Zazu le retour. Un demi. Oh non ça on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Agacé de Choupi, ça augmente mon attaque mais je suis quand même empoisonné quoi. Frappe matérielle sur lui. Et aérolame sur lui. Il doit être normal je pense. Je pense, à mon avis, qu'il est tout normal. Et le mélange entre un écureuil et un renard, quoi. J'avais jamais vu ça. Je suis outré. Je me sens empoisonné. Prépare-toi. Oh, je le connais, lui. Je le connais, lui. Ganky. Mais par contre, je sais pas du tout ce qu'il est. Il doit être type vol, je pense. Vu qu'il vole. Genre hurlement strident. Je sais, fait mal tout seul. Ah, hurlement, ça fait mal. Ok. Bien joué, tu vois comme il est important de conserver de l'endurance. Sans ça, tu ne seras pas arrivé à me vaincre. Très futé. Je sais pas si je suis futé. Mais attends, je vais pas utiliser mes baumes vu qu'on est à côté. Je vais me soigner. Mauvais bouton. Par contre, jouer à la manette, franchement, c'est hyper sensible. Et on peut parler aux gens? Non, on peut pas interagir avec eux. Oh, je peux parler avec mon singe. Alors, il y a quoi ici comme Pokémon? Comme Temtem, pardon. Oh, il y a un monsieur là. Bien le bonjour à vous, collègue dresseur. Il fait un temps idéal pour être dehors, histoire de profiter de la brise marine. Ça vous dit un petit combat de Temtem? Allez, vas-y, c'est parti. Un petit combat de Temtem, on y va. Donc Zazu en face de moi. Je croyais qu'il était rare. Alors comment on fait déjà pour savoir le type de Zazu? Ça je sais pas à quoi ça sert. C'est genre tu passes ton tour. Je sais pas du tout ça sert à quoi ces boutons.
Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert, Ezekior? Genre le jaune et le bleu, ils servent à quoi? Les boutons jaune et bleu, c'est de là là. Le jaune à swap de Temtem, ok. Donc pour changer, d'accord. Fais voir, on teste, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est pour. Ok. Et genre ça. C'est pour passer son tour, ok. Et le jeu passe ton tour. Ton Temtem se repose en regagnant de l'endurance. Ah, génial, merci. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations qu'il faut que j'engraine là. C'est chaud. On n'a pas eu de nouveau Temtem encore là. Allô, les Temtem, vous êtes où? Et là, je cours ou on peut aller plus vite encore? Ah, je cours, d'accord. Et attends, non mais. On dirait des anémones en plus, c'est même pas de l'herbe, c'est des anémones le truc. Oh, c'est quoi ça? Oh! Oh, c'est des objets? Oh, génial! Le renfort d'endurance de base, très populaire à travers tout. Ok. 20 plus de ND, d'accord. Ah, on capture les deux. Alors, coup de pied sur un, picor sur l'autre. Toxique, sinon c'est pas drôle. Un coup de pied et picot. Pourquoi il y a un 3 sous le poison? C'est-à-dire que c'est 3 fois que je me fais empoisonner? C'est x3? Ah non, c'est le nombre de tours. D'accord, ok, c'est le nombre de tours. Thème carte. 3 tours, ouais, je viens de comprendre du coup. Ok, alors 41, 29, 15, 15. Il est pas mal, je trouve, non? On va le garder, on va voir l'autre. Bof, bof. Ouais, il est pas. Je commence à comprendre un petit peu, tu vois. Ah bah, lui, par contre, vitesse 1, 19, 29. Attends, on va regarder mon équipe. Équipe. Genre toi t'es à 15, 14, 3, 41. Ok. Il a l'air d'être mieux lui, hein. Les stats sont un peu plus équilibrés, je trouve. On va relâcher celui-là. Oh non, j'ai un Temtem qui est mort. À cause du poison. Du coup, on a dit qu'on relâchait. C'est lequel qu'on relâchait déjà? Détail. Non, lui il est un peu plus équilibré. Détail. Ouais, c'est lui qu'on relâche du coup. Ok, nice. Oh, il a le gros vert. Et ils peuvent évoluer, on est d'accord, ils évoluent. Alors attends, du coup.
Pour l'instant, on va pas se concentrer sur, sur genre la reprod, etc. On va plus se concentrer sur les Pokémon qu'on doit attraper, etc. Pour genre remplir le thème Tempedia ou je sais pas quoi. Là, j'ai mal joué, j'ai utilisé mon énergie pour rien. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Le mec il attaque son propre ennemi quoi. On peut rien faire là, d'accord. On va avancer un petit peu. Encore un combat? Ils font que ça ici. Toi, combat maintenant. Ne pourrait-on pas... T'as dit s'il te plaît? Non, combat. Ah d'accord, ok. La politesse dans le jeu, par contre, il connaît pas lui. Ok, alors eux, on connaît leur faiblesse maintenant. Et là d'accord ok c'est ça, son attaque spéciale augmente. Oh il fait super mal. Augmente son attaque spé. Ok, on a une nouvelle attaque. Poignée stable, elle fait quoi? 35 de dommages, 7 de stats. Ok, le poignet de ce man. Ok. Vas-y, et toi, régène. Ok. T'as une tête, par contre, frère, à dormir dehors. Là, par contre, je vais utiliser mes soins parce que sinon, ça va être. La mort assurée. Les soins par contre coûtent super cher. Ça par contre c'est abusé je trouve. Ah oui. On va l'appeler comment? Comment on l'appelle? Ah, il est trop mignon. Attends, j'ai fait quoi là? Je sais plus ce que je fais là. Ah, si, c'est bon, d'accord. Yes! T'as tes roues. On va l'appeler, on va l'appeler. Comment on l'appelle? Il est délicat. Vous avez des jeux gratuits à me proposer? Si le Temtem attaque un ennemi endormi, ce dernier ne se réveille pas. Warframe Gaëtan, qui est pas mal. Warzone. Un jeu gratuit après, t'avais tout ce qui est du coup sur. Mince. Sur Epic Games. En jeu gratuit, t'as aussi Yu-Gi-Oh! Qui est bien. Yu-Gi-Oh! Duel Link. Renommé Tateru. Renommé appelé Patapouf. Je sais pas, j'ai pas d'inspi là. Patapouf. Dans quel style? Ouais, après ça dépend du style que tu cherches aussi. Hein.
Je re dans 5 minutes. Ok, pas de soucis. Il est délicat. Si le Temtem attaque un ennemi endormi, ce dernier ne se réveille pas. Oh, pas mal ça par contre. Stats 50. Oh, les stats par contre sont super bien. Équipé. Les stats par contre ont l'air super cool. Genre équipe. Faudrait qu'on relâche Patapouf du coup. Que lui les stats sont pas mal. Ouais, faudra relâcher Patapouf. Prenons par exemple le Temtem de l'eau. Contre qui sont-ils les plus forts? L'eau est plus fort contre le feu. Exactement, l'eau bat le feu. Quand un Temtem de feu, contre quel Temtem songeriez-vous à l'envoyer? Contre quel Temtem? Ben on l'envoie contre la, oui, la plante. Le feu bat la nature, l'eau bat le feu, oui. Bon allez, ça suffit pour la théorie, préparez-vous au combat. Ok. Un poisson. Oh, lui il est évolué lui. Ah ouais ouais ouais, lui il est évolué. Alors c'est un type eau, on n'a pas de type plante. Si on a un type plante, on a un type plante, je dis que des bêtises. T'es un type plante toi non? Toi t'es un type nature, j'en suis sûr. Comment on fait pour savoir? Détail. Nature. Et toi? T'es neutre, t'es normal du coup. Et toi? Tu es vent. Ok. Donc on échange Zazu contre Kaku. Sport toxique. Il a pas d'attaque plante. Retenue, ça fait quoi? Ça fait rien. Oh là 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 là, ça fait super mal. Il est déjà niveau 11 son truc. Ah ouais, c'est pas du tout comme Pokémon, faut farm en fait. Hein. Non, 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 il va me le tuer, il va me le tuer. L'a tué, mais il s'est tué aussi. Rafale plume, vas-y, pas mal du tout. Vous êtes en train de prendre le coup. J'aimerais bien prendre le coup aussi en trouvant un truc pour me soigner, ça serait cool. Par contre, la musique, ça fait vraiment penser à Pokémon. Hein. Faut absolument qu'on aille se soigner, sinon on va mourir. Et merde. Alors,
Ça fait tellement Pokémon le passage de... Ouais, ce passage là, exactement. J'aime qu'il y ait dans tous les styles préférence pour les MOBA. Les MMORPG. Bah du coup, ouais, bah en MOBA, bah t'as LOL, t'as... merde, Smite, t'as aussi Paladin. En MMO, tu peux... Y'a quoi en MMO que je connais? Non, c'est lui qu'on voulait relâcher du coup. Et lui qu'on garde. En vrai, il est neutre. Est-ce qu'on le garde? On va plutôt le mettre là. Hein. Neutre, ils sont pas GG. Hein. Il y a ça comme jeu qui a l'air pas mal. Game of Thrones, Winter is Coming. Ah bon, il y a un jeu, il est sur quoi lui? Sinon, t'as un jeu en MMO sur le Seigneur des Anneaux, ça s'appelle Lotro. Qui est pas mal. Faut aimer par contre le style Seigneur des Anneaux. Du coup, faut qu'on farm, faut qu'on augmente nos temtem. Genre, on va déplacer Zazu. On peut pas les déplacer? Déplacer. Non, pas comme ça. Lui, déplacer. Devant. Et toi, déplacer. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'y faire à l'interface par contre. Comme ça. Faut qu'on farm. Sur Steam, d'accord. Ouais, mais est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'en soi il est bien? Est-ce que du coup il est immunisé contre les sports toxiques ou pas? Ouais, ça lui va pas beaucoup quoi. Regard noir, hypnose, vas-y, on va l'endormir. Comme ça, il dort pendant 3 tours. Pourquoi il dort pas? Hypnose, ça le fait bien dormir, non? Mais toi, faut que tu te reposes là. Voilà, c'est tué. Pour ça, on augmente. Là, on vient de là. On passe par là, par là. Hop, on passe par là. Bouge! Il est là lui. Ok, il faut qu'on se rachète des potions. Acheter des potions. Genre 3 et ça on s'en rachète une. C'est gay et cher par contre hein. Et comment on fait pour avoir les Pokémon d'eau? Moi j'ai pas les Pokémon d'eau. Genre tu marches dans l'eau? Non, ça marche pas hein. Alors attends, parce que du coup j'ai toujours pas retrouvé Max et tout là. Ils sont où? Faut que j'aille où? D'accord. Je dois aller là, je pense, où il y a le truc rouge. Là, non, je peux pas. Le truc rouge, c'est parce que c'est bloqué. Ça doit être plus loin encore. Ah d'accord, génial. À peine rentré, on se prend un truc.
Ok. D'accord. Il me reste 9 géos sur mon disque dur. Je suis à bout. Ah, c'est chaud ça, disque dur sur les PC portables, c'est chaud. Et t'as regardé du coup sur internet si tu pouvais changer ton disque dur, genre te mettre un disque dur de au moins 1 Tera. Re, mon petit. Mon SSD, ouais, si tu peux pas le changer. Oh, ça c'est bien, on peut leur mettre deux stats par contre. On peut leur mettre deux marqueurs de dégâts. Tu t'as quoi? De toute façon, ton disque dur, c'est t'as qu'un seul disque dur dans ton ordi portable ou pas? T'as que un SSD, non? Je demanderai à Ben. Ouais, on lui demandera tout à l'heure. D'ailleurs, je vais pas tarder à arrêter pour aller manger. Et pour ensuite reprendre le live, bah, du coup, avec les gars. On va sûrement faire du Fortnite cet après-midi, je pense. Oh là là, on s'est fait démonter par des tatérous. Deux SSD et le normal. T'as deux SSD et un normal? C'est ça que tu dis? Non, un SSD et un normal. Donc en tout, deux. D'accord, ok, je comprenais pas. Je suis en train de me dire, what? Mais le mec il a gavé de trucs. Oh là là. J'essaye de rejoindre du coup le professeur et après on s'arrêtera là. Mais le temps qu'on n'arrive pas au professeur, ça serait bien de. Attends. Poignée stable sur lui. Et vas-y, fais rafale de plume. Oh oh. Et du coup c'est ton SSD qui est plein Gaëtan, c'est ça? Et Zazu se blesse en faisant ça, d'accord, ok. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Ezekur, mon pseudo, ok, je vais faire ça. Non, le normal et le SSD, il n'y a pas de place. 150, je crois. Non, le normal. Non, le normal. Ah, ok, c'est le normal qui a pas de place. Et le SSD, il n'y a pas de place. 150, je crois. On peut pas encore chuchoter. Mais je te verrai co du coup. Ouais. Mais tu peux t'abonner, comme ça tu seras quand je serai en ligne, etc. aussi. Parce que je ferai pas forcément du temtem tous les jours. Donc si tu veux. Tu peux lâcher le follow. Il n'y en a pas beaucoup de place le SSD. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça du coup. Faut peut-être que tu changes ton SSD. Comme ça te mettra la notif quand je suis en ligne.
Non. Ça, Aérolam sur lui. Je pense que ça doit pouvoir se changer qu'il pique les disques durs. C'est obligé. Allez, on joue. Oh, c'est l'évolution de... Oh, merci le spoil, quoi, le jeu. Non, mais je rêve. Oh, le spoil. Donc, il va évoluer au niveau 6. Il augmente sa défense spéciale, ok. Puis ce sport toxique. Il est crevé. Allez, je teste. Puis sa défense. Ok, comme ça on a un de mort. Voilà. Bien sûr, ma puce. Un sac. Ah, il est trop beau son Pokémon, enfin son Temtem, pardon. On y est presque là parce que... C'est une blague. On se connaît, nous sommes nous rencontrés au dojo. Pas du tout. Pourtant, je n'oublie jamais un visage. Enfin bref, c'est toujours sympa de le rencontrer. Ok, re... Non mais il me spoil les évolutions, franchement je suis dégoûté. Franchement ça, j'aime pas ça. Ça spoil les évolutions, c'est relou. Ah, c'est le problème des MMO. Ah ouais, non, mais... Ça, par contre, c'est pas cool. Vraiment pas. Ben là, l'évolution, là, celle-là. L'évolution, du coup, du petit. Et on a vu l'évolution de... Du truc qu'empoisonne là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire en plus. Si je fais ça. De Kaku. On avait l'évolution de Kaku juste avant.
Non, on n'a pas vu l'évolution de Smaze. Après, t'inquiète, l'évolution de Kaku, tu l'auras vu 5 minimum plus tard. Ah bon? C'est quoi qui veut nous apprendre là? Frime. Frime, c'est quoi? Frime. Un bon combattant se doit aussi d'être un peu paradeur. Ok. Ça augmente l'attaque. Attends, parce que. Faut que je fasse ça. Ah, je me trompe de. Ok. Alors là, on est à 32. Là, c'est une attaque normale. On va changer celle-là. Il y a un dresseur qui l'a. Ah bon? Reprends. Réapprendre les tactiques. Les techniques remplacées peuvent être réapprises. Ah d'accord, ok. Du coup, vas-y, fais frime, voir ce que ça donne. Et toi, je pense que un aérolame, ça va suffire. Non, picoto. Ses cheveux, ils se fondent avec le ciel, quoi. Moi, je le veux, lui, là, dans l'eau. Comment on fait pour l'avoir? Je sais pas. Oh, je suis rendu. Ah, je suis rendu, ça y est. Ah, eh bien, t'en as mis du temps, j'avoue. Bon, si je veux en arriver à attraper mon dirigeable, je vais devoir filer tout de suite. Sinon, là, sinon cela m'obligera à attendre. Ne vous en faites pas, professeur. C'est qui, elle? Sophia. Je comprends très bien. Partez, mon ami. Je vais m'occuper de ses enfants. Merci mille fois, Sophia. La prochaine fois que... Vous passerez à... Ok. Je compte bien. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ouais, c'est sûr. Parce que dans le jeu, tu abandonnes pas les zones early game. Donc c'est bien pour les gameplay que les gens y reviennent. Oui, c'est sûr. Juste attends, Valache. Les enfants, laissez-moi vous présenter ma grande amie Sophie. Elle est la maîtresse du dojo. Ah, donc il y a des arènes. Alors, comment ça va? Je vais vous emmener faire une petite visite guidée de... pas aujourd'hui. Ok. Filez donc. Vous avez loupé votre vol, j'avoue. Bon, suivez-moi les amis. Ça c'est un dojo du coup. Cette petite boutique c'est chez moi. Ok, on y trouve toutes sortes de babioles. C'est un bon endroit pour obtenir votre premier fiole. C'est quoi? Après, suivez-moi. Ok, donc ça, c'est les petites boutiques. Ça, c'est une maison normale, je suppose. Maison normale. Ok. Le lac Indigo, toujours si calme. Certains jours, lorsqu'il y a trop de monde sur le sein, je viens surfer ici et puis y entraîner mon temtem d'eau. Ok, donc elle, c'est la dresseuse d'eau. Le grand du coup que vous voyez là-bas, c'est votre académie. Elle est gérée par des enseignants associés. Ok. Moi, c'est là que je vais au dojo. Un jour, masque, lorsque tu seras prêt pour commencer, tous les nouveaux apprentis doivent apprendre les bases. De ce côté, nous avons le temporium. Le tempo quoi, pardon? Voici notre temporium local. Il y en a dans chaque grande ville. C'est ici que les dresseurs viennent soigner leur temtem et acheter leur équipement. Ok, donc le temporium, c'est le centre Pokémon. Vous y trouverez tout ce dont vous pourrez vous avoir besoin. Ok. Par là, nous avons les falaises. Et la route qui monte jusqu'à... Ok. C'est un coin assez dangereux, donc vous ne devez jamais vous y aventurer sans être accompagné par un adulte. On est des adultes. Et les quais sont par ici. Je pourrais y rester assise pendant des heures, les pieds dans l'eau. Eh bien, je crois que c'est tout. Ok. Vos cours commencent tout de suite, les enfants. Moi, je dois rentrer au dojo. Tu l'as entendu, Valas? Je te parie que je peux arriver à l'académie avant toi. Et comme elle a dit, passe me voir au dojo. Ok. Brissal de mer. Hein.